Hi guys, j'espère que vous allez bien. Pourquoi tu fais pas mon intro? Parce que vous avez commencé avant moi. Tu fais mon intro? Bah vas-y, 1, 2, 3. Hi guys, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Yes. Et cette vidéo en fait on l'a trouvée ensemble. En fait j'avais fait une story Instagram où on m'avait dit oui avec qui tu préférais aller quelque part, je sais plus où, et j'avais répondu Maïssa. Et tout le monde m'avait saoulé tout en disant ouais tu préfères Maïssa Auria, pourquoi t'as pas dit Auria et tout et tout. Et je leur ai dit bah enfin parce que c'est vraiment vrai, s'il y avait un autre truc j'aurais choisi Auria. Attends, regarde la vidéo où tu choisis, tu vas faire quoi avec qui? Ouais. Il y aura des embrouilles hein. Ouais, non, ça a des on a un shooting photo bientôt là, dans les photos je vais être comme ça. Je suis en bref. Et du coup, j'ai eu une idée de génie en story, on l'a eu ensemble. Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire une vidéo où bah, du coup je dis avec qui je préférais faire un truc. Et vous m'avez posé des questions sur Instagram. Donc c'est pour ça que c'est super important de me suivre sur Insta. N'hésitez pas à me suivre, je vous mets mon Insta juste ici. Vous ratez plein de trucs si vous me suivez pas sur Insta. Donc du coup, allez-y. Les gars, je voulais juste dire que cette vidéo sera en deux parties. Donc je vous poste la première partie maintenant. Et la deuxième partie, elle sera du coup dans la semaine. Voilà. Vous êtes prêts? Il y a des questions de fou malade, genre vraiment. Et on va commencer avec une real question. Je sais que ça va être tout Maïssa. Bah non chérie. Qui pourrait te défendre à un procès? C'est moi. Non. Moi. Attendez, laissez-moi parler. C'est moi. Et à chaque fois, je vais dire pourquoi je pense ça. Moi je pense que la personne entre Maïssa et Auria qui pourrait m'aider en procès si un jour je suis au tribunal et qu'on doit me défendre cœurs et âmes, je pense que je choisirais Maïssa. Je peux dire un truc? Oui, dis. Déjà Maïssa, ok, tu défends déjà, t'as toujours tort. Quand tu disputes avec quelqu'un, t'as toujours tort. T'as jamais eu raison. Bref, elle a jamais eu raison. Un jour, il y aura un petit tribunal, vous allez voir. J'ai toujours le dernier mot. C'est moi. Donc, elle, son dernier mot. Ok, si. En tout cas, depuis petite, je la défends. Vous savez pourquoi? Tu la défends pas, c'est parce qu'elle te menace. C'est des menaces. Mais là, elle répond lui, la tête de ma mère, elle m'a jamais dit. Mais tu défends pour des vieux trucs. Pas du tout. Quand c'est un vrai truc. Bah, pas du coup, elle a pas fini, ça va être des gens jaloux. Ils se remettent à leur place. Mais ça, c'est pas ça, c'est des critiques. Non, imagine, genre là, s'il y a quelqu'un, elle va tuer quelqu'un et tout, tu dois la défendre. Tu dois faire genre, elle l'a pas tué. Elle aura tellement peur qu'elle va aboutir. Yes, ça, et voilà, c'est toi. Bref, je vais dire pourquoi j'ai choisi Maïssa, Parce que Maïssa, je la connais, elle peut se tuer pour une personne de la famille. Prochaine question. Qui pourrait t'aider à cacher un cadavre? Donc si un jour je tue quelqu'un et que je dois appeler quelqu'un pour m'aider. Pour m'aider, hein, je parle vraiment de l'action d'aider à venir cacher quelqu'un. Je pense que je choisirais... Tu sais quoi? Je sais, ça va être qui? Si tu dis mais c'est normal, mais c'est pas toi, frère. Attends, t'es toute petite, tu peux même pas porter le cadavre déjà, frère. Voilà. Mais le cadavre va être encore plus lourd que toi. Mais MDR. Attends, ouais, okay. Tu pèses 20 kilos. Vas-y. Tu pèses 25 kilos. Voilà, maximum. Maximum, tu donnes 30. T'as peur des gens dehors? Tu veux. J'ai peur des gens, moi? J'ai peur de qui? J'ai peur de qui? Elle voit les cadavres. Ça y est, tu t'es fait agresser par deux ronds, tu les as tapés, ça y est, t'as cru. T'es agressé ou quoi, frère? Vas-y. Mange du riz, voilà. T'as des embrouilles, tu m'appelles moi. Alors ferme ta gueule. Quand tu es la vidéo, s'il te plaît. Et quand j'ai une vidéo, Inch'Allah, un jour, tu vas tuer quelqu'un, comme ça on va venir, on verra. Mais j'ai pas encore dit ma réponse. Merde. Si demain je dois cacher un cadavre, j'appellerai Auria pour m'aider. Voilà, merci. Voilà, bravo Auria. Est-ce que je veux dire pourquoi? Oui, oui. Vas-y. Parce que je pense que Auria, elle a plus le sang froid. Que Maïssa, Auria elle est plus Maïssa elle va arriver là-bas, elle va trembler. Oui voilà, c'est plus, je pense que c'est ça. En fait c'est pas que, genre Auria elle sera plus sur l'instant même. Elle sera plus en mode genre capable de réaliser le truc et de faire abstraction que Maïssa. Chacun son choix, moi je vais pas péter le seum comme elle pète le seum depuis tout à l'heure. Je suis mort. Parce qu'elle dit pas la vérité. Mais bien sûr que si, elle dit la vérité, wesh. Là, moi, elle pense que c'est toi qui vas l'aider. Si tu m'aurais dit. Je vais pas pleurer, Niner, c'est moi qui vais aider un truc, le
Ouais, chérie, j'ai pleuré. Ouais, bah, depuis tout à l'heure, tu pètes le seum, chérie. Est-ce que je peux finir ma vidéo là? Oui. Please. Ok. S'il y a une apocalypse, attaque de zombies, qui choisirais-tu pour la survie? S'il te plaît, dis rien parce que sinon ça va la toucher. Parce qu'elle a regardé Walking Dead. Si demain il y a une apocalypse, qui choisirais-tu? Qui choisirais-je? Pardon. Bah, moi je dis si t'es avec Maïssa, il y aura des petits problèmes. Oui, on va mourir. Ouais, toi il n'y aura aucun problème. Tout est carré. Si, il y aura des problèmes. Tout est carré. Mais tu réfléchis pas, toi. Désolé, ouais, si, ouais. Ok. Voilà. Bah, okay. Vas-y, donne-nous ta réponse, Nina. Il faut d'autres questions. Attendez, je pense, ouais, je pense que je vais choisir plus Ouria parce que, comme je vous ai dit, Ouria elle a plus le sang-froid. Mais moi, si faut tuer. Si non, quelqu'un genre, tue ma soeur, imagine, il y a des zombies de course et tout. Ouais, tu vas prendre 10 ans pour grimper un truc. Alors que moi, je l'ai fait. Ouais, toi, t'es. Désolée, mais t'as un singe, je fais 3, 4, 5. Je vais plus rentrer dans des petits trous et tout. Alors parce que tu vas pas rentrer. Ouais, c'est pas ça, c'est parce qu'en fait, tu es grosse. Bah non, c'est pas. C'est genre, imagine, t'es blessée. Nina, elle pourra pas te prendre. Toi, t'es pas blessée, toi. Pour t'aider, elle pourra pas te prendre. Tu crois que mec qui va pas te prendre. Bref, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire cette vidéo dans la joie et la bonne humeur? Merci. Bah non, c'est elle. C'est toi, tu cherches des problèmes là. C'est vrai. Mais ça, elle est plus dans le sentimental, le machin. Voilà, elle est sensible. Ça, elle va courir 5 minutes, elle va dire, ah, je suis asthmatique. Attends, on fait une pause. Ouais. Tu la sors à chaque fois qu'on passe de truc, tu sors ça après. C'est la vérité, mais c'est t'as aussi asthmatique, frère, que je suis pas. Ouais, ben au moins, il y aura c'est pire que moi. Nina, c'est pire que moi. Non. Ouais, elle fait du sport. Ok. Mini, mais alors, si je fais ça, n'a rien à voir. Je vais tirer des zombies pour faire du sport. Elle est sportive. Elle fait trois pas, elle me dit, je suis fatiguée. Et alors tu veux. Et alors tu vas mourir avant. C'est le premier zombie qui est de la Tarik Menrun. Oui, toi. Oui, toi, tu vas survivre, c'est vrai. Je vais j'ai peur. Je peux faire un truc. Oui. En fait, Noren, là, j'ai compris. Elle me choisit sur des trucs graves où je peux crever. Alors que Messia, elle l'a choisi dans des trucs simples, vernis. Mais attends, mais j'ai pas fini. Ouais, on a posé deux questions. Vas-y. Toi, t'es pas contente. On te donne ça. T'es pas contente. On te donne si t'es pas contente. Frère, pas tu l'as demandé. Pose-toi des questions. Qui choisirais-tu pour diriger un pays? Une des deux, parce que franchement, elles ont pas du tout les capacités pour. Ouria, elle, si on la choisit en tant que présidente d'un pays, ça sera un dictateur. Et Meïssa, elle, son état, ça sera un truc de bisounours et elle va partir en faillite. Voilà. Non, pas en bisounours. Oui, mais non, mais tu vas emmener ton truc en faillite. Celui qui va venir lui dire, s'il te plaît, mais ça donne-moi de l'argent, elle va lui donner et ça va être faillite. Bah, c'est pour que les gens m'aiment. Ça, c'est pour gagner des points, chérie. Hein. Oui, mais bon, après, ton pays va être... Des stratégies. Bref, entre deux personnes, mais moi, oui, je suis apte à diriger un pays, je pense. I think. Si l'une des deux, devrait s'occuper de tes gosses pendant 24 heures, laquelle choisirais-tu? Alors là, c'est pas Ouria, c'est ni changer de couche. Moi, je sais. Elle sait pas faire le lait. Elle sait rien. Je sais faire un rut, Axel, je fais, mais j'ai toujours la flemme. Tu prends la poudre avec de l'eau, c'est tout ce que tu faisais. En fait, non, moi, je peux faire. Voilà, le grand-mère de caca va dire, elle est capable de laisser la couche du bébé 48. C'est vrai. Tu mens. Au nom d'Allah, t'aimes pas toucher le caca, c'est bon ou pas? Voilà. Fin. Mais jure pas, wesh. Bref, c'est mes gosses, c'est mes gosses. Eh, mais de toute façon, t'as pas de gosses. On va rien faire avec tes gosses, tu vas les éduquer toi-même. Mais je me donne des babysitters, si je suis payée, je vais le faire. Si je suis pas payée, je fais pas. Quoi? C'est leur temps, tu vas pas. Tu n'as pas d'enfant, la question elle a pas lieu à t'aider. Voilà, elle a pas lieu à être cette je question. Je pour t'aider. Mais bah moi pour le coup je choisis Meïssa, voilà, parce que Meïssa il se rend en sécurité avec elle. Ok, bah moi les enfants je les fais rire, je joue avec eux, mais il y a pas de couche, je leur fais pas à manger, il y a rien. Soit on achète des grecs, soit on achète des grecs. Le gosse il a 5 mois, tu vas lui donner un grec ou quoi? Bah non, je paye une babysitter puis c'est tout. Je suis choquée, voilà. Bref, c'est pas grave. Et le prochain qui me dit sur Instagram, pourquoi tu choisis pas Ouria pour garder mes gosses ou pour faire un truc du genre, je le tarte. T'as voilà. Pas de gosses, les gens ils vont croire que t'as des gosses là. Bah j'ai mes chiens, voilà. Qui choisirais-tu pour choisir les photos que tu postes sur Instagram? Je pense que je choisirais Ouria. Ouais. Parce que
Maïssa, elle me trouve belle dans toutes les photos. À chaque fois que je lui envoie plein de photos, elle me fait elles sont toutes belles ma vie. Poste celle en première, après celle en deuxième, après celle en troisième, celle en quatrième, celle en sixième. Donc du coup, je choisis. C'est normal, t'es ma soeur, je te trouve belle. Je vais pas dire. Enfin, je vois aucune différence dans les autres photos en fait. Alors que Auréa, elle va choisir la vraie photo. Auréa, en fait, elle voit belle. Le feed, elle voit le cadrage et tout, après elle va dire c'est elle. Mais on choisit les deux, hein, quand on est à Mykonos, moi Auréa donne notre opinion et voilà. Oui. Voilà, mais comment je suis bronzée, les gars, je suis choquée, je suis devenue hyper marron, genre regardez. Oh my god. Et je vous promets, je me tartine de crème solaire, enfin vous l'avez vu dans mes vlogs au Portugal, etc. J'ai fait que me tartiner de crème solaire, mais je bronze hyper vite. On continue. Oh, qui choisirais-tu to keep a secret, pour garder un secret à vie? Je choisirais qui pour garder mon plus gros secret, genre ever. Of course, sans hésitation aucune, je choisirais Mademoiselle Maïssa. Vu que si tu me dis un secret, je vais l'oublier au bout de deux jours. Du coup, je vais rien faire avec toi. Ah ouais, en vrai, faut pas lui dire du secret. Hein. Moi, je suis Dory. Mon cousin, il m'appelle Dory parce que j'oublie tout le temps des trucs. Genre, vraiment, je suis. Mes copines, elles adorent me raconter tout pour moi. Bah, déjà, de une, parce que bah, j'oublie des trucs. Et de deux, parce que bah, je garde des secrets. Mais pourquoi je choisirais plus Maïssa que Auréa? Parce que Auréa, en fait, je lui fais pas confiance à 100%. Si un jour je m'embrouille avec elle ou quoi. Elle peut te menacer avec ton secret. C'est vrai, mais ça ou pas? Grave pas, voilà, vous êtes coincé en 2015. Oui, à chaque fois. La vie de ma mère, vous êtes coincé en 2015. On est en 2022 là, presque. Voilà, on est bientôt en 2022. Ouais, ça va pas ou quoi? Déjà, je m'en fous. Tu ne dis pas tes secrets, je veux pas les savoir. Ça, c'est clair. Ça se voit. Tes secrets, jamais. Ça se voit, tes secrets, ils sont pétés. Je connais les secrets, mais ça, c'est déjà bien, ok? Alors que toi, tu les connais pas. Déjà, tu l'as choisi. Voilà. Mais ça, à chaque fois, elle a failli les dire à chaque fois. Je dirais Maïssa parce que Maïssa, elle connaît. Elle connaît tous les secrets. Depuis toute petite, elle me dit ses secrets. Oui, Maïssa, depuis qu'elle est petite. Et elle sortait toujours... jamais avec Auréa. Attends, ses secrets qu'elle lui dit, c'est quoi? J'ai mangé la sucette dans le frigo. J'ai fait caca ce matin. C'est quoi tes secrets de... Là, ça me passe. Ah, moi, je connais tous les secrets de. Et bref, même si tu lui dis tes secrets, elle va me les dire, je sais tout. C'est vrai, mais ça? Bah moi, j'ai dit rien. Ça dépend si c'est un truc de ouf, j'y pas. Mais non, en fait, ça arrête. Genre, quand les gens ils me disent un secret, bah je lui dis Auréa, parce qu'Auréa, c'est moi. Elle est dans mon genre. Ça dépend si je dis un truc, tu lui dis. Bah ça dépend du secret, si c'est un truc, ouais, je vais faire un anniversaire surprise à si ou à ça, je vais lui dire. Si c'est un truc grave, mais extravagant et grave, ça je peux répéter. En fait c'est ça le problème de... Attends, c'est ça le problème de eux. En mode elle croit que je sais rien alors que je sais tout. Qui choisirais-tu pour clasher un hater? Oh bitch. Je choisirais of course Maïssa. Ah moi je te termine. Je vais choisir Maïssa parce que Maïssa c'est mon avocate, voilà. Anyway. Period. Attendez, prenez une photo là, je suis belle. Qui choisirais-tu pour vivre sur une île déserte? Une île déserte seule, genre il y aura que nous deux. Pas moi. S'il te plaît, moi je choisis Maïssa ma vie parce que je supporterai pas de vivre avec Auréa. S'il te plaît, elle va dire ouais, fais-moi le ménage, fais-moi ci. Mais y a pas de ménage dans une île. Ah, bah si, moi de toute façon je vais pas vivre avec toi. Non, c'est juste en fait Auréa elle énerve beaucoup trop le reste en mode de... En fait Auréa quand elle parle elle sait pas parler. Et du coup bah ça énerve grave vite Noé. Les réponses secs. Non, moi je vais faire parce qu'avec Maïssa on est une bonne équipe, c'est tout. Genre par exemple Maïssa elle va aller pêcher le poisson, moi je vais aller pêcher. Après une de nous elle va le faire. Fais-moi bien faire. Après je sais, alors que Auréa elle elle voudra rien faire. Je vais dire un truc. On va tout faire seul. Attends, je vais dire un truc. Si là on trouve un poisson, je vais dire va le pêcher. Tu vas me dire non, va toi. Je vais dire bah non, je t'ai demandé en première, va. Mais tu as commencé à t'énerver. Et moi, si c'est Maïssa, elle va partir le pêcher. Alors que si c'est moi, je vais me casser. Bah non, c'est pour ça qu'elle a choisi moi. Voilà, moi, c'est pour ça que je vais pas vivre avec toi. Parce que c'est pas toi le. Voilà quoi. Bah si, on est dans l'île, c'est moi le chef de l'île. Bah non, il y a pas écrit ton nom dessus. Et je vois pas pourquoi je vais me perdre dans une île avec toi. De toute façon, si je me perds, je préfère me perdre toute seule. Genre, tu vas être là, je vais courir pour. On va aller se noyer. Au secours. Sauvez-moi. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. On vous retrouve bah, du coup dans la semaine ou demain pour la deuxième partie. Parce qu'en fait elle est hyper longue, ça fait déjà je sais pas combien de minutes qu'on tourne. 30 minutes. Donc du coup voilà, on va vous laisser et on vous dit bah, du coup demain.
pour la party 2. Yes. Et n'hésitez pas du coup à nous poser d'autres questions. Qui choisirais-tu pour? Parce que il se peut que j'en referai une autre, une troisième partie, oui. Si vous êtes chaud, voilà. Bisous guys, à demain.